Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Alors, après avoir terminé mon coloriage de Maria Troll, vous avez pu voir hein, sur la précédente vidéo, j'ai choisi de faire un autre coloriage différent d'une autre illustratrice, voilà, Emmanuelle Collin. Je suis tombée en amour de ses illustrations. J'adore ces dessins. Je les aimais déjà avant, mais bon, j'avais pas encore sorti de coloriage de dessins pour les faire. Et là, bon, j'en ai imprimé et je me suis dit, ça y est, il faut que je me lance parce que je les aime vraiment trop. C'est des dessins d'enfants. La plupart ont toujours soit des fleurs, soit des branchages, il y en a quelques-uns qui ont des fois des animaux avec eux, mais c'est vraiment, si vous ne connaissez pas, allez voir sur Google, vous tapez Emmanuelle Collin et vous allez voir ses dessins, ils sont vraiment superbes et très enfantins, mais vraiment magnifiques, je les adore vraiment, je pense que je vais en faire plusieurs d'elles. Là, on peut retrouver donc ces carnets de coloriage sur Amazon également. Là, j'ai imprimé des coloriages qui étaient gratuits sur Google, qu'elle avait mis par rapport à son blog. Mais je vous mettrai en barre d'infos ces carnets de coloriage, comme ça, si vous êtes intéressé, vous pourrez les trouver tout de suite. Là, je vais certainement me prendre le mois prochain au moins un de ces bouquins. Il y en a quatre, je crois. Ouais, si je ne me trompe pas, il doit y en avoir quatre. Mais alors, ils sont superbes. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et là, donc, celui que je vous ai fait cette fois-ci, donc, vous verrez, bon, c'est le visage d'une petite fille avec sa chevelure et elle est pleine de fleurs dans les cheveux. Bon, elle a des petites fourmis, par contre, dans les cheveux. Il y a des petites fourmis. Il y a d'autres personnages dans ces illustrations où, pareil, vous trouvez soit des petites fourmis, soit des abeilles. Il y en a une où c'est par contre, celle-là, je la ferai peut-être pas parce que c'est une bestiole que je n'aime pas trop. C'est une grosse araignée. Voilà, la petite fille a une grosse araignée sur la tête. Bon, celle-là, je la ferai peut-être pas. Beaucoup de ces illustrations, on revoit des insectes dans ces dessins. Et bon, je trouve ça rigolo, c'est pas mal. Et donc, celle-ci, c'est la première que je fais d'Emmanuelle Collin et j'adore. Donc là, pour l'instant, j'ai commencé à faire le visage et les cheveux. Donc, la prochaine vidéo, ce sera la fin, bien sûr. Il me reste les fleurs à faire. Voilà. Donc ce coloriage sera fait en deux vidéos. Voilà, je ne vous ai pas fait, j'aurais pu faire tout en une fois, mais je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue pour vous et qu'après vous vous ennuyez, puis que vous coupiez, vous n'arrivez pas à voir la fin. Bon. Donc je préférais vous la faire en deux fois et que vous puissiez mieux apprécier ce coloriage. Voilà. Donc, je vais vous laisser maintenant visionner. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos, comme d'habitude, les crayons que j'ai utilisés, les références de crayons. Donc là, pour l'instant, pour cela, j'ai utilisé pour le visage les polycolores. Et pour les cheveux, j'ai utilisé les Castellart Supply. Voilà. Donc, je vous mets les numéros de référence des crayons que j'ai utilisés pour faire ce début de coloriage, comme d'habitude. Et je vous fais maintenant des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et je vous souhaite un bon visionnage sur ce nouveau coloriage. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.